Le dragon de Komodo ou varan de Komodo est une espèce de varan qui se rencontre dans les îles de Komodo. Dans la nature, un dragon de Komodo adulte mesure entre 2 et 3 mètres et pèse environ 70 kg, mais les spécimens vivant en captivité atteignent souvent une masse plus élevée. Le plus grand spécimen sauvage contrôlé faisait 3,13 mètres de long et pesait 166 kg, y compris les aliments non digérés encore présents dans son estomac. Il est de couleur vert foncé, gris ou noir, ce qui lui permet de se fondre dans son environnement et de s'approcher discrètement de ses proies pour les surprendre. La peau du dragon de Komodo est renforcée par des plaques munies de petits os appelés ostéodermes, qui forment une sorte de cotte de maille. Les dragons de Komodo sont les lézards les plus grands et les plus lourds sur Terre. Ces reptiles géants en voie de disparition existent depuis des millions d'années, mais les scientifiques ne les ont étudiés qu'il y a environ 100 ans. Les dragons sauvages de Komodo ne se trouvent que sur les petites îles indonésiennes de la Sonde. Ce sont des reptiles d'apparence puissante avec une tête large et plate, un museau arrondi, des pattes arquées et d'énormes queues musclées. Ils ont une marche maladroite et va-et-vient, et leur langue jaune entre et sort constamment. Prédateurs dominants sur les îles où ils vivent, les dragons de Komodo mangent presque tout ce qu'ils trouvent, y compris des animaux déjà morts, des cerfs, des buffles d'eau, des cochons, des petits dragons de Komodo et parfois des humains. Lors de la chasse, les dragons de Komodo comptent sur le camouflage et la patience, allongés dans les buissons ou les hautes herbes jusqu'à ce qu'une victime passe. Ils fondent sur leur proie avec des pattes puissantes et des griffes acérées, puis y enfoncent leurs dents dentelées en forme de requin. Un animal qui échappe aux mâchoires d'un Komodo ne se sentira pas chanceux longtemps. La salive de dragon contient de grandes quantités de bactéries qui empoisonnent leurs victimes, généralement dans les 24 heures. Les dragons suivront calmement leur proie mordue sur des kilomètres, utilisant leur sens aigu de l'odorat pour trouver le cadavre. Ils ont un appétit énorme et sont connus pour manger jusqu'à 80% de leur poids corporel en une seule tétée. Les dragons de Komodo mangent presque tous les types de viande, cherchant des carcasses ou traquant des animaux dont la taille varie des petits rongeurs aux grands buffles d'eau. Les jeunes se nourrissent principalement de petits lézards et d'insectes, ainsi que de serpents et d'oiseaux. S'ils vivent jusqu'à 5 ans, ils se tournent vers des proies plus grosses, comme les rongeurs, les singes, les chèvres, les sangliers et les cerfs, le repas le plus populaire. Ces reptiles sont des prédateurs tertiaires au sommet de leur chaîne alimentaire et sont également cannibales. Déterminer le sexe d'un dragon de Komodo est un défi pour les chercheurs, car aucune différence morphologique évidente ne distingue les mâles des femelles. Les mâles dominants rivalisent pour les femelles dans des combats rituels. Utilisant leur queue comme support, ils luttent dans des postures droites, se saisissant avec leurs pattes antérieures alors qu'ils tentent de jeter l'adversaire au sol. Le sang est souvent prélevé et le perdant s'enfuit ou reste couché et immobile. Les femelles dragons de Komodo pondent jusqu'à 30 œufs, qu'elles garderont pendant plusieurs mois. Les bébés sont verdâtres avec des bandes jaunes et noires mais deviennent gris unis à brun rougeâtre en vieillissant.
Les jeunes dragons resteront dans les arbres jusqu'à l'âge d'environ 8 mois pour éviter les prédateurs, notamment les plus gros dragons. Des retards dans la ponte des œufs peuvent survenir, ce qui pourrait aider la couvée à éviter les mois brutalement chauds de la saison sèche. De plus, les œufs non fécondés peuvent avoir une seconde chance lors de l'accouplement ultérieur. Pendant que les œufs incubent dans le nid pendant environ 9 mois, la femelle peut pondre sur le nid pour protéger les œufs. Il n'existe aucune preuve de soins parentaux pour les komodos nouvellement éclos. Les nouveau-nés pèsent moins de 100 grammes et mesurent en moyenne 40 cm de longueur. Leurs premières années sont précaires et ils sont souvent victimes de prédateurs, y compris d'autres dragons de Komodo. À 5 ans, ils pèsent environ 25 kg et mesurent en moyenne 2 mètres de longueur. À ce moment, ils commencent à chasser des proies plus grosses. Ils continuent à grandir lentement tout au long de leur vie. Les jeunes dragons de Komodo passent une grande partie de leurs premières années dans les arbres, où ils sont relativement à l'abri des prédateurs, y compris des adultes cannibales, pour qui les jeunes dragons représentent 10% de l'alimentation. Selon David Attenborough, l'habitude de cannibalisme peut être avantageuse dans le maintien de la grande taille des adultes. Quand les jeunes sont menacés par un adulte, ils s'enduisent de matière fécale ou se cachent dans des intestins d'animaux éviscérés afin de se protéger. Il faut environ 3 à 5 ans aux dragons de Komodo pour arriver à maturité. On pense que les dragons de Komodo vivent environ 30 ans dans la nature, mais les scientifiques étudient toujours cela. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt. Thank you.